aujourd'hui, donc, on va travailler avec des troisièmes autour de l'application GarageBand. Et la thématique, ça va être en fait les musiques actuelles, où les semaines passées, on a déjà pu écouter plusieurs morceaux de musique actuelle, de hip-hop ou de musique électronique. Et on a vu qu'il y avait des constantes musicales au travers de ces différents styles musicaux. Et ces constantes musicales, maintenant, on va essayer de les mettre en application au travers d'un exercice de création sur GarageBand. Moi, j'ai fini mon travail. J'ai fait à chaque premier temps de chaque pulsation, j'ai mis la grosse caisse. Donc, sur 4 temps, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite jusqu'à 8. 3, 4, 1. Et on est sûr que pendant cette séquence, ils vont tous créer. Et ce qui n'est pas forcément évident lorsqu'on veut faire pratiquer des instruments à des élèves, parce qu'il n'y a pas de, ils n'ont pas de culture solfégique, ils n'ont pas de culture instrumentale au sens précis du terme. Donc là, l'application GarageBand permet une approche extrêmement rapide pour faire de la musique, pour créer du rythme et pour créer de la mélodie. L'activité avec la tablette, c'est vraiment bien parce que si on n'en avait pas, ben le prof il aurait fait ça tout seul et il nous aurait montré le résultat. Alors que là, on peut vraiment tester et créer un vrai morceau. Et si on veut, on peut même mettre des paroles, créer un vrai morceau et peut-être trouver une vocation même.